laissé passer beaucoup d'années, des années, fuyant la mission que tu m'as assignée. J'étais au cachot, je voulais pas me libérer de ces jeunes qui m'avaient fait paniquer. Oh oui, mon Dieu, mon papa, je m'excuse pour toutes ces fois, oui, j'ai trop tardé. Sur ma vie, ils ont bavardé. Ils ont dit que je n'allais pas réussir. Jamais devant, toujours à l'accueil. Oh lolo, personne n'est misé sur moi jusqu'à ce qu'ils me voient à la télé. Il y a un seul qui m'a vu, c'est Jésus. Il m'a dit, je te redonne de la valeur. Je t'ai accepté même dans ton malheur. Mais tu ne me voyais pas. Mais qui m'a vu, c'est Jésus. Nouveau maître de ma vie, le rejeton de David, le sujet de mon bonheur. Oh, oh. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber. Tu m'as pas abandonné. Lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber. Tu m'as pas abandonné. Je vais l'affirmer, tu es mon rebelle et mon soutien. Quand je dors le soir, le soir, avec mes gaffes de l'époque, et là j'entends une voix, yeah, yeah. Qui me dit, mon fils, j'ai fatigué. Viens, je te donnerai du repos. Viens, mon fils, j'ai fatigué. Je dois sortir ta tête de l'eau. Il m'a dit, ça va aller où? Un jour, ça va aller où? Je crois que ça va aller. Mon papa, ça va aller où? D'où ça va aller où? Je crois que ça va aller. Personne ne pouvait prédire mon lendemain. Yo, yo. Tu m'as pas laissé tomber. Tu m'as pas abandonné. Je vais l'affirmer, tu es mon rebelle et mon soutien. J'aime ce que je viens d'entendre, c'est trop pur, c'est trop pur. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, je profite de l'occasion pour faire un big up à ta mère. C'est ça. Ouais, c'est elle regarde, je sais qu'elle comprend. Hey, maman, il est là, celui de pied est là. Voilà. Alors, comment tu entres dans la musique? Tu fais de la musique gospel? C'est ça, ouais. D'accord. Après, depuis très jeune, dans l'église, j'ai commencé par les instruments. D'accord. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, je me suis intéressé au chant. Et là, je démarque maintenant. Ah, parce que tu es musicien? Musicien, je touche un peu au piano, à la batterie, à la guitare, un peu à tout quoi. Tu fais des arrangements? Des arrangements un peu. Depuis un certain moment, j'ai un peu stoppé, mais... D'accord. Mais ouais. Et ça te plaît ce que tu fais? J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je le fais pour mon Dieu, je le fais pour mon Seigneur. J'avais cette mission-là de mettre au service de Dieu mes dons et mes talents. D'accord. Donc le fait de le faire, peu importe l'échelle, je suis béni. Ouais, tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni. Alors, est-ce qu'il y a possibilité que tu nous fasses un freestyle? Parce que je sais que là, j'ai écouté de la musique, je sais que tu es bon. Mm. Mais en freestyle, ça t'a donné un autre truc. En freestyle? Oh, ouais, allez, c'est gaucher. Hey. Ouais, c'est bon. Bon. Only Jesus, Holy Spirit. Ouais, c'est. La vérité pour le pas de si près. C'est pas, tu dis, c'est pas, c'est pas vrai. Supprimer les gens, veux plus le te près. Ceux qui te suivent en face, ceux qui font à peu près. Toi qui mobilisent en classe, toi refus de gens, sale caractère, toi le virus, ceux qui paraissent à la télé. On est plus fort sur nos terrains, mais depuis quelques temps, l'impression que plus personne veut s'en mêler. Enfant de Dieu, on est plus fort que tous. Main dans la main, c'est comme ça que Dieu pousse. Choupe, j'ai le sourire, j'ai la banane douce. Lunettes fumées, c'est normal qu'ils tousse. Lunettes fumées, non, c'est normal qu'ils corse, Je continue ou je m'arrête. Sois indiscret, la paresse. Tout dans le fond, aussi dans la forme, mais surtout pas dans l'apparence. Hey, paresse. Arrête ça, notre Père réside dans les cieux. Faire du salon n'est pas dans ça. Afin de Dieu, trop de pays, même maçon aussi entre eux. On ne sait plus qui est qui est quoi. C'est n'est-ce que plaît nous dans ce pays. Yeri,
Apparemment, c'est par rapport aux parasites que tout le monde veut gratter des bonus chez le paraclet. Tout nous gratter des gratter quand on doit les barrer, séparer les parasites. C'est notre chèque qu'on a des parasités. Ah, vous êtes où? Certains sont en train de chercher les milliards. Le diable est en train de les humilier. Mon ami, toi-même, tu ne vois pas ce qu'il y a. Il vous a dit, venez à moi, tous ceux qui ont soif. Je vous donnerai de l'eau à boire. Jésus est la vie, c'est ce qu'on constate. La vérité a lui toute la gloire. Le père des orphelins, Yeri, il ne peut pas t'oublier. La moisson est grande, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Donc venez, venez les enfants. Yeri, venez, venez les enfants. Ah, venez, venez les enfants. Yeri, venez, venez. Hey, papa vous appelle. Venez, venez les enfants. Yeri, nous ne voulons pas. Il dit pourquoi? À cause du loup. C'est qui là? C'est qui là? Hey, cause du loup. SP. Oui, 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 oui. Écoute, tu nous as mis bien. Parce que vendredi, normalement, on ne parle pas beaucoup. Les oreilles sont bouchées, mais là, tu nous as mis bien. Cher papa, chère papoise, voici un garçon à suivre de près. Allez-y streamer, hein, c'est Serviteur Pierre. Allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y checker. Les sources sont disponibles sur tous les sites de chargement, n'est-ce pas? Exactement, là, je suis sur Abidjan pour la promotion de Tu m'as pas laissé tomber, pardon. D'accord. Il y a un autre projet qui est sur le point d'arriver, donc abonnez-vous, Instagram, YouTube, Facebook. D'accord. Et voilà quoi. Et tu l'as dit, Dieu ne te laissera pas tomber. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Tu embrasses maman pour moi et puis. Je ne manquerai pas. C'est chez toi. On est ensemble. On est ensemble. Serviteur Pierre. Voilà, 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 voilà. Bonjour cher papa. Bonjour cher papa. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Des questions? Allez-y poser des questions. Je suis là, votre président chouchou, DJ Moulukoukou, El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Alors, j'ai décidé de m'habiller de cette façon, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, parce que tout le mois de mars sera dédié à la femme. Voilà, le 8 mars, on a célébré la journée internationale des droits de la femme. Et le président que je suis est tellement aimant, il a l'œil sur la femme, hein, un soutien à la femme. Voilà. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mon épouse, quand je sortais, dormait. Donc j'ai chopé une de ses camisoles. Elle n'a pas vu dedans, sinon elle n'allait jamais me donner. Bibi, je t'aime. Madame la gouverneure de Gbaré, c'était. Il y a Black de Mec qui t'a donné une robe là. Il est piqué. Sinon, elle n'allait jamais me donner. Aïe, c'est toi ici. A Karina Stiles. A Karina Stiles. The Queen of Gbaré. Oh yeah. Osoya. Ozone Afrique Bamba a pris quelques jours pour se reposer, hein, oui, repos maladie. Ouais. Il est très fragile, donc il a vraiment besoin de se reposer pour revenir en forme. On te souhaite propre établissement, que Dieu te restaure, et puis tu sais qu'on t'aime, hein, profite bien. Hein, tu manques déjà, tu manques, tu manques. Mais elle va combler ça. Vendredi, on donne pas conseil, il y a caillou dans nos oreilles. Youma Lili, Youma Lala, ici là. Alex Gaucher là pour nous accompagner. Le vendredi, on ne donne pas conseil. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je veux souhaiter, avant de poursuivre, joyeux anniversaire à manager Joël Bamba de Lille. Oui, oui. D'accord, on y va. Joyeux anniversaire à Cédric. Voilà, joyeux anniversaire aussi à Sandrine. Kofi Aya Sandrine, comme j'avais dit hier, c'était son anniversaire aujourd'hui, 10 mars. Qui n'a pas d'âge là. Hein? Qui n'a pas d'âge. Si elle a un peu d'âge, un peu seulement. Ok, d'accord. Joyeux anniversaire, ma soeur, et puis que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous, les femmes. Votre président a tenu promesse. Quand dites-vous? Je veux voir pleuvoir les cœurs. Mais pour l'instant, le sommet. C'est vendredi aujourd'hui et c'est la fête en poésie. Showbuzz donne le micro au talent du coupé décalé. Kérosène Abarango, DJ ABS et DJ Trésor vont nous faire voyager avec des atalakou exceptionnels. Sans oublier les mix de DJ Alex le gaucher. Voilà, au
aujourd'hui, vendredi spécial à Talakou, spécial, oui, coupé, décalé, parce que là, on va vraiment pas discuter, c'est que du flow. Récemment, on a reçu des rappeurs, des rappeuses. Voilà, c'était des freestyles. Cette fois-ci, on est en mode coupé décalé, on est en mode à Talakou. Non, le vendredi, parce que c'était les femmes de la variété. Bon, juste pour dire que le vendredi, on a des spécificités. Là, aujourd'hui, c'est à Talakou. Ça faisait un peu longtemps, facilement. Oui, quand même. Vu que c'est notre chant, on va se mettre bien. Toujours. Il y a trois gros talents qui nous rendent visite aujourd'hui en Papouasie. Et on dit merci à NCI d'ouvrir, n'est-ce pas, cette porte-là pour permettre à nos Papouas de découvrir, sinon de redécouvrir, n'est-ce pas, ces gros talents. Premier invité, vous l'avez vu, il est venu nous rendre visite cette semaine. Il est là, Abarango, Kérosène Abarango. Ah, c'est... Aïe, aïe, aïe. Abarango, ça va bien? Alors, on va te permettre de t'installer là, parce que là, tout à l'heure, ça va, on va cracher du feu. Abarango, ça va bien? Alors, tu viens à côté de Karina, reste à côté de Karina. Toi, tu dois, voilà, faut rester là pour la protéger. Voilà. Ça va bien? Ça va? Ça va. Bon, tu as le micro qui est là, ça va se servir à discuter avec nous. Alors, le deuxième qui nous rend visite en Papouasie est l'un des meilleurs DJ de France. Je pèse mes mots. L'un des meilleurs DJ de France, il est beatmaker, il est chanteur, il est DJ, il est atalakoutiste. C'est un artiste, il s'appelle DJ ABS. ABS, c'est avec nous! Go di langa, to mwana vansa mango de mwana si mango de. Ati mwana lelele, kama si mwana ye. Ma di langa vansa ye, patre bense kisi ke vansa ye. Ma di langa vansa kabreka ye mwata, patre bense vansa pa bwala ka jata, ma lebe de wende leta. Se mwana mwana sa mango de mwana si mango de. Eti mwana lelele, kwana lelele, yese mwana ye, eti mwana mwana ye. Ah, isa u, yele voa, isa u zedi, yele voa, isa u. ABS est avec nous en Papouasie pour la première fois. Vas-y, assieds-toi. Mon frère. ABS, alors, pour la petite histoire, ABS, c'est, on va dire, le neveu. Hein, neveu, ouais, le cousin de DJ Arafat. Ouais. Il était aux côtés de DJ Arafat en France. Beaucoup a appris auprès de lui. Aujourd'hui, il est là pour faire sa promo. On te souhaite une fois de plus bienvenue en Papouasie. Merci. Ben voilà. Le troisième sur la liste est un tueur d'éléphants. Lui, il est polyvalent. Il fait zouglou, il fait R&B, il fait couper, décaler, il fait... Il s'appelle DJ Trésor le Toqué. Aïe. Pour le coco DJ Follet dit qu'il n'aura qu'à arrêter de trop parler. Tu sais la musique et tu vois là, elle est forme et puis elle est dangereuse. Moi je suis le maître, à de la coupe je n'avais pas reconnu devant Dieu, devant les hommes. Tu as testé, tu vas rester, on m'appelle les papas dans le coton. Et vraiment que ton donne, hein, champion, qui est pourquoi, dis-moi quoi, hein, bon. Voilà ça. Voyez bien la boîte, la terre, 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 la terre,
vas danser, tu vas danser. Et puis vers la fin, tu vas te faire. Zogo do go mandiri, zogo do go un. Zogo do go diri diri, zogo do go un. Ibona bouye gena kale gena ka. Moulou koukou di je van, koza gala ka ponta malelo. Voilà ça, en fait. Voilà ça, c'est chaud parce qu'il est là. Voilà ça, en fait. Voilà ça, abara gognata. Voilà ça, tu vois. Trésor Le Toqué, c'est sa première participation à cette magnifique émission. Vas-y, tu peux t'asseoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir en Papouasie. Vendredi, nous, généralement, on ne parle pas. On refuse d'écouter. Il y a cailloux et c'est lourd. Ça va bien, les gars? Ça va bien. Alors, voilà. Je vous présente maintenant la gouverneure de Gbere City. Voilà. Et le premier ministre qui est en repos maladie, qui n'est pas là malheureusement, à qui on fait un big up. Donc, on va parler avec vous très légèrement et puis on aura beaucoup de freestyle. Vous êtes d'accord, les gars? Okay, bon. Commençons par ABS. ABS. Oui. Bon, tu connais bien Abidjan. Oui, oui. Tu connais bien Abidjan. Et ça se passe comment du côté de la France? Ça va, c'est, on va dire, à peu près le même mouvement. C'est pas pareil, mais voilà, on essaie de mettre les niveaux un peu au-dessus de la moyenne. Quoi. D'accord. Voilà. Et comment on arrive à être aussi passionné? J'ai vu un peu tes débuts. Bon, petit jusqu'à... Finalement, t'es bien allongé. Comme on le dit, hein, Dieu donne à qui peut acquérir un talent ou des compétences. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis un peu intéressé à la musique. Parce que de base, je suis dans l'informatique. C'est l'informatique qui m'a dévié dans la musique. Okay. Et sans le savoir, on me dit après que je suis parenté à DJ Arafat. D'accord. Et c'est là que j'ai vu d'où venait le talent de par ma tante, Tina Glamour, que je salue au passage. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. Super. Karina? Abarango, moi j'aimerais savoir, ici à Abidjan, à un moment tu étais là, ça allait, tu essayais tant bien que mal de t'installer, de te positionner dans le mouvement. Mais tout d'un coup, on n'entend plus parler de toi, on ne sait plus où tu es rentré. Qu'est-ce qui t'emmène à quitter la Côte d'Ivoire comme ça, subitement? Et qu'est-ce que tu as gagné où t'es, tu es parti? Bon, déjà, il ne faut pas cacher, après le décès de... Arafat. De DJ Arafat, j'ai vraiment senti un lourd coup sur moi-même. Et j'ai eu l'envie de changer un peu d'air, quoi. Voilà. Vous étiez lié? Arafat, vous étiez où alors? En quelque sorte. Un idole. Voilà, un idole d'abord, et puis après, on était un peu. On se voyait souvent. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, quand Arafat décède, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu te rends où précisément? Bon, je me suis retrouvé au Burkina pour un contrat de travail. D'accord. Burkina, c'était le seul pays, il y avait Burkina, d'autres pays encore? C'était le Burkina. Le Burkina, d'accord. Trésor Le Toqué. Yeah. Ah, ça crie wow là-bas. Hein. Il t'a dit, hein. J'ai entendu, ça crie wow là-bas. Hein. Tout le quartier est sorti. Hein. Alors, voici un jeune très talentueux que j'ai découvert. Et il fait de la musique. Il fait de la musique aussi bon dans tous les domaines, coupé, décalé et tout le reste. Ça se passe comment? Pourquoi on n'entend pas parler de vous? Pourquoi? Bon, je peux dire que le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Bon. De moi, mon côté, en tout cas, je me bats, vu que c'est un peu difficile, le milieu de la musique, c'est difficile. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai des grands frères qui sont là, qui me poussent, comme Molokoukou, comme ça, par exemple. Il y a plein de personnes que je ne vais pas trop citer, mais ça va, on essaye de joindre les deux bouts. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, toi, principalement? Quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté? Bon, personnellement, les difficultés, c'est au niveau des productions, parce que actuellement, je peux dire que le coupé de Calais, c'est bon. C'est un peu... C'est tordu, quoi. Voilà. Donc... Le côté est penché. Non, pas penché, mais ça va, on a la pêche, on se défend. Mais côté production, c'est un peu compliqué, vu qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes pour tendre la main. Et puis, bon. Ces personnes-là, elles sont pas prêtes à tendre la main parce que le mouvement n'est plus le même. Voilà, ils se disent que peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a pas... Voilà. Donc, à vouloir produire un disjoker ou bien quelqu'un qui fait du coupé décalé, peut-être que il n'aura pas de gain. D'accord. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup qui ont baissé beaucoup les bras. D'accord. Donc, on est obligé de balancer nous-mêmes. ABS, est-ce que le... Enfin, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Le mouvement n'est pas le même, mais quelles sont les difficultés que rencontrent les DJ dans la diaspora? Le mouvement n'est pas le même. Pourquoi je dis le mouvement n'est pas le même? Parce que de là-bas, bon, vu que moi, je suis artiste-chanteur, de là-bas,
Bon, côté production, bon, ça, j'ai pas de souci parce que de base, je travaille dans une boîte, je fais certains événements et autres. Mais le souci est quoi? C'est que on n'a pas. Il y a une visibilité qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, je ne vais pas citer le nom de certaines chaînes, voilà, où pour y accéder, on a besoin de passer un système. Ça veut dire forcément passer par ce système-là pour avoir de la visibilité sur ces chaînes dont je ne citerai pas les noms. Donc c'est ce qui nous complique. Sinon, niveau production et autres, franchement, il n'y a pas besoin de producteurs. Ça, c'est clair. Parce que j'ai moi-même mon propre studio en Côte d'Ivoire. Quand je vais à Abidjan, je fais moi-même mes sons. Le beat avec quoi je suis rentré, c'est moi-même qui l'ai composé de A à Z avec un guitariste, Samy Guitar, que je salue au passage. Donc voilà, c'est ce petit souci-là qu'on a de niveau de l'autre côté. Et est-ce que tu es en contact avec les DJ d'ici? Oui, Trésor comme à Barango. Ouais. On est souvent en contact. D'accord. On se voit souvent en tout cas. Carina? Toujours à Barango. Tu reviens à Abidjan reprendre ta carrière où tu avais laissé. Non, je lui dis que je suis en train de dire, tu es revenu à Abidjan reprendre ta carrière là où tu avais laissé. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Comment les gens t'accueillent? Comment ça se passe? Bon, il faut dire que jusqu'à présent, il y a une discothèque là, qui m'a bien accueilli. En tout cas, Onyx. Je salue en passage, au passage, le Onyx Discothèque. Et ils m'ont bien accueilli. Voilà. Ils m'ont bien accueilli depuis mon arrivée. Et pour l'heure, bon. Et donc, tu bosses avec Alco? Non, je ne sais pas encore. C'est pas encore clair. Voilà, d'accord. Je ne pense pas encore. Mais il faut dire qu'actuellement, je cherche à reprendre les activités. Les activités, ouais. Voilà, donc je cherche une maison. Une maison d'abord, une discothèque pour d'abord travailler. Ouais, officier, là-bas. Officier. Et puis après, ben là, si possible, une production. Voilà. Tu veux un producteur? Un producteur, voilà. D'accord. C'est noté. ABS, ton nom ABS, est-ce que tu peux dire au papa ce que ça signifie, ABS? ABS, c'est le nom d'un dieu grec qui se nomme Abès, que Abès. J'ai raccourci. Ah, d'accord. Bon, ABS, j'ai pris les lettres qui me convenaient. Pourquoi lui, forcément? Je sais pas, j'ai aimé le nom. Ah, donc. Et entre autres, sur une console de DJ avec quoi je mixais... Avec Arafat à l'ancienne, la Denon 9000, il y avait A, B. Et ces deux combinaisons-là faisaient sampler. Ça veut dire pour prendre les boucles des beats. Ah, faisaient sampler. Donc, j'ai tout de suite. Tu as en même temps un bon informaticien. Ça m'a attiré, quoi. C'est donc clair, voilà. Là. C'est un peu ça. D'accord. Écoutez, on vous a entendu, on doit parler. Ça, c'est après. Mais on a envie de vous voir en prestation. Le premier qui sera en prestation, c'est bien sûr Kérouzène à Barango. À Barango. Aïe, aïe! Jamais c'est moi qui décide, jamais c'est moi qui décide, jamais c'est moi qui décide,
dans la baguette de l'élé. Dames et moi, c'est guidé. Toukou Djaga, ma djaga. Dames et moi, ici, Toukou Djaga. Ma djaga, dames et moi, ici, Toukou Djaga. Tous les gars, ma djaga, dames et moi, guidé. La ville a pris pour moi. Je savais pas que t'es comme ça. Aujourd'hui, là, tu m'as trahi. Mes premiers gaou n'est pas gaou. La ville a pris pour moi. Je savais pas que t'es comme ça. Aujourd'hui, là, tu m'as trahi. Mes premiers gaou n'est pas. Barango. Alors, vas-y, assieds-toi. Le son, là, raconte-nous l'histoire de ce son. Ça, comment tu arrives à faire un son comme ça avec la voix d'Arafat? Ça, c'est la voix d'Arafat. Bon. Faut dire que déjà, il m'inspirait beaucoup. Ouais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Déjà, Arafat, il m'inspirait beaucoup. Et moi-même, la voix, là, je l'avais depuis longtemps aussi. Donc, je pense que cette motivation-là m'a donné la force. D'accord. De pouvoir composer. Le bon, c'est trop beau. Oui, Karina, tu veux parler? Moi, je t'écoutais chanter avant. J'aimais bien, surtout, je sais que tu te rappelles. Mm-hmm. J'aimais bien ta main. C'est vrai, tu chantes bien, tu as une voix imposante. Mais pas celle d'Arafat, on est d'accord? Ouais. Et depuis, je pense que c'est depuis qu'il est décédé que tu veux chanter comme lui. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu ne veux pas te positionner comme Arafat ou c'est parce que, je ne sais pas, tu veux remplacer Arafat, tu veux être un remplaçant? Parce que là, tu es dans l'ombre d'Arafat. Si on écoute le morceau là, qu'on ne te voit pas, on va dire que c'est un morceau d'Arafat qu'il a chanté peut-être avant de partir. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre? Voilà, pour dire vrai, j'ai vraiment envie de continuer ce qu'il a commencé. D'accord, ça c'est clair. C'est cool. C'est ouais. Lui! Le Parigo est là, Big Papa, DJ ABS. Alors, c'est ton tour. Et puis, tu es là, donc on va saluer les gars, nos gars de Paris. DJ Meko, qui d'autre encore? DJ Meko, on va saluer Demba Fashion qui fait Demba Fashion, et puis DJ Polio, DJ Kitoko. Ouais. Et puis, mon gars, Matrix et Bouanga. Matrix, et puis il y a un autre encore. La gorge. Il y a un autre, il a oublié, mais ça va venir. Qui ça? Tu le connais, il a oublié, ça va venir. La scène t'appartient, DJ ABS. Bonjour. Le son. On y va, Alex, le gaucher, le coq gaucher. Bien, de la France, c'est un Ivoirien, il est là pour sa promo, j'espère que vous kiffez. Et puis, je vais profiter aussi pour saluer DJ Big Joe, Manu TGV. Il est là, il a vision. Voilà, donc ça, on va se voir champion. Et puis, Autorité Lacoste, big up à toi. On va marquer la première pause de cette émission, et puis, on revient. Hi. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal, doucement, toi t'es blessé. C'est vendredi, on donne pas conseil. De l'ambiance et toujours de l'ambiance dans la deuxième partie de Showbuzz avec Kérosène Abarango, DJ ABS et DJ Trésor. A tout de suite. Oh. Hey, Alex, DJ Alex le gaucher est avec nous le vendredi. C'est un DJ, qui a mangé la rue. Il a mangé l'époque de la rue. Donc, les sons là, si vous n'êtes pas initié, ça va vous faire des choses. Ah. Alex le gaucher. La troisième prestation, c'est bien sûr celle de DJ Trésor le Toqué. Vous êtes encore sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz. Trésor. Étends sur moi ta main et dis un seul mot, un seul. Le boss a ibé le douanier vers blanc. Mon parrain, la diaspora, Daddy Shoud. Voilà ça. À toi Seigneur qui m'a créé. Oh toi mon Dieu qui règne dans les cieux. Pardon papa, je t'en supplie. Regarde mon cas et fais quelque chose. Ne laisse pas la vie.
maîtriser. J'ai tellement lutté que je suis épuisé. À passer que je t'en, ce n'est pas une mélodie. Ce sont mes filles qui vont te mettre toi. Aïe, 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 moi, ce genre de style, c'est pas trop mon truc. Parce que moi, je suis un adepte du coupé-décalé brut. C'est pas trop dans mon registre, en fait. D'accord. Voilà. Mais ça, on va pas, est-ce qu'on va s'étonner de te voir faire ça? Est-ce qu'il peut arriver un jour où tu... Si, si, j'arrange des sons comme ça, oui, il m'arrive. D'accord. D'arranger des sons comme ça. Karine est son voisin. Moi, ce que j'aimerais demander à DJ Trésor, de quoi parle ce morceau? Le morceau parle de... De la souffrance, de ce que j'ai vécu, quoi. Parce que y a eu des fois où j'ai demandé à ce qu'on me tende la main. C'est-à-dire que où j'ai demandé des choses, où j'ai demandé des services côté musique, où j'ai demandé à ce qu'on me pousse. Et il n'y a eu personne. Je suis resté là seul, je suis livré à moi-même. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir réfléchir à ça. Parce que je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Je suis là, moi seul, je prie. Et puis c'est Dieu qui me donne la voix. Donc c'est une manière pour moi de prier. Voilà, c'est une prière, quoi. Moi, j'ai une question pour les trois. Je vais commencer avec Abarango. Avec ton voisin. Oui, mon voisin. Abarango, est-ce que tu as déjà demandé de l'aide à quelqu'un qui t'a refusé? Dans le showbiz. Dans le showbiz. C'est pour tout le monde. Il va répondre d'abord. Beaucoup même. Beaucoup. Mais je ne vais pas citer.
Non, on n'avait pas te demander ça. On n'avait pas te demander ça. On sait que tu vas pas. Tu ne peux pas hésiter tout ce que tu veux. Tu peux dire une personne. Ça fait quoi? Une personne. Lui-même, c'est lui-même qui t'a boué, même. T'a boué, quand toi-même, quand tu as rien, tu dis oui. C'est qui? Ah, tu as fouillé Karina. C'est qui? Emilo. Emilo est chanceux? Ouais. Il t'a boué au Burkina alors? Ouais. Il t'a boué comment? Vous avez fait featuring, non? C'est entre griffes. Mais vous avez fait un feat, non? Ouais. Ah, d'accord, attends. Si je comprends bien, vous avez fait un feat. Mais il t'a boué en comment? Ou bien le feat, là, si c'est passé, il l'a aperçu, ou bien lui, il a glauqué toi. C'est-à-dire que lui, là, c'est lui qu'on voyait, il a pris. Ou bien t'as pas aidé dans la promo, un truc comme ça? Bon, il y a eu un deal qui s'est passé ce jour-là au studio. Réveille-toi, non? Il y a eu un deal qui s'est passé ce jour-là au studio, je me souviens. Et on a eu à tomber d'accord sur quelque chose, lui et moi. L'erreur que j'ai faite. Question. Ouais, question, c'était quoi? Non, je n'ai pas rentré dans cette. Bon, d'accord, donc c'était un deal entre vous deux. Un deal, voilà. D'accord, vas-y. Concernant le son. Le morceau. Voilà, le morceau. Et quand le morceau est sorti, on a fait le clip. Après le clip, il a coupé, genre, on peut dire, tout lien avec il moi. Il a coupé les ponts. À qui appartient le morceau? À qui appartient le morceau déjà? Bon, quand moi je suis arrivé au pays, c'est moi qui demandais le featuring pour moi, pour dire au Burkinabé que je suis là. Donc c'est pour toi le morceau? On peut dire que c'est pour moi. D'accord, mais si tu es le propriétaire du morceau, normalement tout ce qui concerne la promo et tout, c'est toi à ta charge. Normalement, c'est pour ça que j'ai dit, au studio, il y a eu des choses qui se sont dites. Oui, mais qui n'ont pas été respectées. Mais est-ce que toi, tu t'es investi? On n'a pas mis, on n'a pas signé. Tu n'as plus rentré en contact avec Emilo? Par rapport à ça? Oui. Si, mais j'ai vu des... Bon, un peu de laisser aller, de toute façon. Mais il sera ici bientôt, on va lui poser la question. Madame la gouverneure. La question aussi est pour DJ Trésor. Bon. Moi, personnellement, j'ai pas... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que c'est une chanson que tu as chantée. C'est une chanson de boire. Oui, mon boire, mais j'ai pas envie d'entrer dans certaines choses. Mais bon, moi, je suis quelqu'un, je suis pas trop... Vas-y, voilà. Si la porte est fermée, puis tu veux pas rentrer. Mais c'est vrai, rentre. Ils t'ont fait quoi? Ils m'ont frustré. Ils m'ont boire même. Parce que si j'ai dit... Bon, on va expliquer au papa. Boy, là, dans notre... vous connaissez. Boy, quand on dit boy, c'est négligé. Voilà. Négligé, taper l'œil, taper dessus. Voilà. Ils m'ont laissé seul. Mais bon, je me dis que... Qui ça? Qui l'a laissé seul? Plein de personnes. Ouais, des proches. Anecdote. Des personnes proches même. Tu peux nous expliquer quelque chose? Bon, expliquer là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas trop quelqu'un de... Moi, non, mais quel regardé. Y a... Qu'est-ce qu'il y a eu comme boilé? Et puis quand tu as regardé, tu as dit, de le boilé, yes, le boilé est que... Au fait, c'est comme si on marchait en groupe. Nous sommes un groupe de chanteurs. D'accord. Et puis, parmi eux, il y a quelqu'un de plus inspiré. Donc quand c'est comme ça, celui qui est le plus inspiré, on peut te pousser, mais ils ont baissé les bases. Soit disant que peut-être si je suis allé, tu devines quelqu'un, je vais peut-être jouer les champions. Voilà, un oui comme ça. Donc ça fait qu'il y a plein qui m'ont laissé. Et puis bon... Il y a des VP même qui ont dormi même. D'accord. Toi, ABS, chez vous là-bas, là, vous vous mettez mauvais. Non, de malade. C'est là-bas, c'est... Mais de fou. C'est même... Bon, là-bas, je ne calcule pas tellement. Toi, tu ne calcules pas, mais ce qui est là-bas, là, que nous, on veut calculer, là, c'est comment? Pourquoi vous ne vous entendez pas là-bas? Bon, là-bas, c'est... C'est la jungle. C'est la jungle. C'est la forêt amazonienne là-bas, c'est pas du jeu. C'est la jungle, mais eux tous savent que je suis le capitaine. Ah. Voilà. Quand je suis pas là, l'argent n'entre pas bien. Ah, là, ils m'appellent depuis de venir. On a dit que tu as chopé, donc attends un peu. Ah, dans les boîtes là-bas, quoi. Ouais, ouais. J'ai dit joker. Ouais, ouais. Mais moi, mon boili qui s'est passé, c'est Abidjan ici. Voilà. Mais j'ai pas gardé ça en cœur. Parce que moi, je me dis dans ma tête, si tu dois être quelque part, tu le seras. C'est Dieu qui décide. C'est quel bowling? Après le décès d'Arafat, j'ai eu à parler avec DJ Mix. Ah, DJ Mix. J'ai eu à parler avec lui pour un featuring. Pas personnellement pour lancer ma carrière ou quoi, mais pour... Parce que j'aime sa manière de chanter. Ça a lancé même, parce que Mix... Non, j'aime sa manière de chanter, mais entre autres, on peut dire qu'il n'a pas pris ça en considération. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui regardent
la télé, qui regarde quelqu'un et quand il y a la lumière sur toi, automatiquement, cette personne vient à pétillant, il fait un si, tout bien comme ci, comme ça. Comme je salue au passage Didier Anaconda, Omegetto qui a pris, donc tout le monde veut faire des feats avec lui. Mais étant dans l'ombre, on peut dire que je suis dans l'ombre, en tout cas en Côte d'Ivoire, je suis dans l'ombre. En France, ça va. Mais en Côte d'Ivoire, je suis dans l'ombre, donc... Tu as besoin de soutien. Ils se disent que, voilà, non, ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Donc, en conclusion, mix ta bouée. Il t'a refusé le featuring. Non, peut-être, c'est tellement... Non, il était tellement occupé. Il t'a jeté. Je peux être occupé pendant trois... À la fin des mois, quelle année? 2019. Non, il t'a boué pendant trois ans. Pendant quatre ans comme ça. Occupé même bon, DJ Mix, je sais que lui, c'est un gros dommage aussi, mais Mix, je sais qu'il est très gentil. Mix, il y a ABS qui est là, il faut régler ce grand bas-là. Hein. Nous, les doyens, on a besoin de donner de la chance aux plus jeunes, on a besoin de tendre la main aux autres pour éclore, c'est important. Donc ABS est là, il est à Abidjan, il faut profiter en même temps pour tuer le featuring. Maintenant, Emilo, toi aussi, si tu es à Abidjan, rentre dans le lalé, on va régler le problème de la Barango. Voilà. Bon, c'est bon, je ne vais pas vous parler. Prenez vos micros, on va s'amuser un peu. Ma couche et gazon. Et je n'ai peur de rien si ce sera pas Dieu. Ton égard, ABS. Ça nous va dire que papa n'a pas de yé, pas de vie, nous voilà. Et tu vois la masse, tu vois la masse, tu vois la Et c'est moi, Nana, c'est seulement ça, c'est le coupé de galet. Coupé de galet. Ah, trésor, les toqués. Attaquez. Bien, mon gars, quand tu m'appelles comme ça, les gens se demandent pourquoi est-ce que tu as grillé mon nom. Ce n'est pas parce que je suis le plus fort, mais mentalement, je suis très imposé. Coupé de galet, vous avez commencé là. On est là qu'on s'en jaillit. Les gens vont commencer à parler pour dire que nous ne peut rien créer. Mais Karina sent que je vais te dire la vérité. Quelque chose qui se passe, on est toujours présent. Couper des galets, c'est quelque chose qui fait danser tout le monde. Il n'y a pas de problème, mentalement, physiquement, intelligemment. Nous, on est beaucoup de beau dans la beauté. Il faut dire qu'il faut dégueuler ce monde à la gata. Allez, va toquer. Abidjan, Paris, Abidjan. Il n'y a pas un match. Restez tranquille, écoutez son aimant. Allez, allô, lolo. Abarango, Abarango, Atalaku, Vatia. Tu es le Pamsou, ma belle, le domaine, son qui m'a 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 son qui Ici là, quand on est assis ici, lui il peut rester comme ça parce que c'est pas Talagou, c'est pas coupé décalé. Toi là, tu as pas mis les gens de coupé décalé, tu peux pas laisser. On dit quand même quand c'est mort, ça visse. Non, on les frappe. Toi, tu me dis, m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé.
Dans un instant, Kérosène Abarango, DJ ABS et DJ Trésor seront interviewés en chanson. A tout de suite. DJ Alex Gaucher, il est là avec nous. C'est lui qui gère la partie mix. C'est un bon DJ, je l'aime bien, je l'aime bien. Il est en nuit, mais je l'aime bien. Les gars, oui, il est en nuit. Appelle le gaucher. Le gaucher, mais il est gaucher, il mixe. Le juge des droits, tu sais qu'il est vieux. Les gars, il y a une rubrique qu'on appelle interview en chanson. Mm-hmm. On va chanter, moi je vais vous poser des questions et vous devez répondre en chantant. Okay. Est-ce qu'on est bon dessus? Pas de problème. All right. Bon. Interview en chanson. Ça passe. Pepe. Bon, je ne me suis pas entendu à Alex, il ne sait pas quel beat l'a choisi. Moi-même, il ne sait pas. Bon, envoyez. Alex, c'est que ça. Ah, tu veux commencer? Tu n'as plus, mal à la gorge, je te confie ça. Si tu veux commencer, tu peux. Alex, ça c'est pas, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, tu allonges. Tu que. Bon, 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 bon. Alex, on est bon? Ouais, t'as pas un truc mélodieux, hein? On met un peu de coco là. Bon allez, c'est pas grave, on y va. C'est juste des petites questions. Hein. C'est lélé, motivateur, motivé DJ Moulukoukou. Je reçois aujourd'hui DJ ABS. ABS, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tes gars de Paris? Je salue. DJ Meko, je salue. Chanel, mon vieux boulou coucou, il faut commencer à me poser les questions. Il est trop chaud, DJ Trésor, qu'est-ce que tu pensais de ton arrivée ici à Chauvezé pour la première fois? Je suis vraiment content parce que bien m'envoie, je m'assois là-bas à la maison. Je regarde l'émission Moulou Koukou, Karina s'est donné des mélodies. Et tous ces artistes qui viennent ici pour improviser lentement, mais sûrement. Quand je me pose au niveau, je regarde, je dis, est-ce qu'un jour j'irai là-bas? Et voilà ce Dieu a donné ma chance. D'ici là, je regarde Karina en face. Karina, et si tu veux tester, tu as testé, tu vas regretter. Il y a pas de grand plan là-dedans, tu m'envoies, tu connais un peu la scène de chez vous. C'est chaud. Tu viens d'arriver, est-ce qu'on peut dire que ton retour est gagnant? Je suis vraiment très content, en joie de me retrouver face à vous. Oh, Chauvez, Moulou Koukou Elduro, Karina Stylé, Ayaya Mansela. Je salue tous mes potes DJ du Burkina Faso. Je salue aussi tous mes fils d'Abengourou, de Gagnouao, de Daloua, et de Guinamaï. Chopazé Agada la Poula, Albarago Didigui. Merci les gars, vous savez qu'on doit s'informer. Pardonnez tout à l'heure, on va essayer de se donner des atalakou. Alex, arrête. On va s'informer avec Show News. Selon la Constitution, quand le Premier ministre n'est pas là, c'est celui qui est en charge des infos. Quand il n'est pas là, le président doit lui-même donner les informations. Alors, on a des infos à vous partager, les gars. Kérosène, c'est pas Abarango. Non, c'est pas Abarango, Kérosène. Équilibre, il était récemment en Centrafrique, il a été accueilli comme un roi. Regardons. Il était avec nous, enfin, on s'est parlé, lui et moi, on s'est parlé. Il m'a dit, ah, Moulou, je suis bien arrivé et tout. Donc, les gars l'ont accueilli. J'ai dit, attends. Ouais, parce que, bon, on sait qu'en Centrafrique, c'est un peu chaud, la situation sociopolitique est un peu chaude. Mm-hmm. Mais il y a des fans qui sont allés l'accueillir. C'était magnifique. On l'a accueilli comme si c'était à Cipolès. Ouais. Oui, je t'ai dit. Bon, on a un petit souci technique, mais ça va venir. Donc, Kérosène a été accueilli comme un roi. Et c'est dire qu'on écoute notre musique, pas seulement à côté ici, mais au-delà des frontières. Oui, même en Suisse, j'étais en Suisse, il y a des Blancs qui écoutent. Bon. Ouais. Qui écoute le coupé décalé, ça étonne. En Allemagne aussi, il y a un gars qui arrange carrément du coupé décalé avec mon petit, il y a un petit qui est en Allemagne aussi. Là. D'accord.
D'accord. Mais c'est bien, en tout cas, félicitations à Kérosène. Il y a DJ Zaram qui était avec lui. Ils ont livré un beau spectacle. Et puis, c'était voilà, pour le bonheur de tous les Centrafricains. En tout cas, bonne arrivée, Frangin. Et puis, on est avec toi. Autre news, vous savez que notre Berekam se balade. Donc, Berekam était récemment à un spectacle. Regardez, puis on dépaporise après. Sur ce spectacle, on a trois grosses pointues du cinéma du 7e art. Donc on ne peut pas attendre moins qu'un spectacle époustouflant, si je peux le dire. C'est une innovation, c'est tout un courage de voir que les femmes s'expriment. Pour moi, c'est du beau que j'attends. Déjà, l'affiche, on dit d'elle-même, donc maintenant, on a vraiment un spectacle de wow, quoi. Je suis vraiment bluffé, je suis très impressionné de ce que mes sœurs, les actrices, ont joué. Je sais qu'elles sont très talentueuses, mais ce que je vois, c'est bien plus même que ce que je pensais. À titre personnel, je note qu'il y a quand même espoir d'un renouveau du théâtre, parce qu'on a connu quand même les grandes heures, l'heure de gloire du théâtre ivoirien. Et quand on sort de ça, on se dit qu'il y a bon espoir que les choses se remettent en place et qu'il y a vraiment de l'avenir et il y a du potentiel pour les planches. Merci à la Berekam. Des actrices ont décidé de faire renaître le théâtre ivoirien et c'est une très bonne chose. Je pense que dans les éditions à venir, nous allons en parler. Donc la pièce de théâtre, c'était La Touche des Insensés. Bravo à tous et à toutes, les gars. Vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. On a passé un bon moment avec vous. Prenez soin de vous et puis bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. On est ensemble, Papoua Dikarina. Merci. Prenez soin de toi, cher Papoua. Showbiz s'arrête ici. On vous laisse en compagnie de Faveur Williams dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. More of you in my walk.